Bonsoir, le présent bulletin nouvelle pour aujourd'hui, le 31 mars. Nous commençons avec bonne grande titre. Une enquête est commencée pour déterminer source d'un fuite gaz ammonia des environs pour la piste hier soir. Propriétaire d'établissement touristique avec la police Lomaé, il commence une série de rencontres pour une solution pour les touristes victimes victime d'actes criminels. Plaisir d'immun y complice le bon gouvernance et la transparence à travers une série de causeries organisées par Transparency Initiative Seychelles. Et à l'étranger, le pape François y demande bon chrétien pour en plus humilité et générosité, sorti d'un service, c'est même quoi, hier. Yeah. Nous passons le bon détail. Et l'enquête a commencé pour des côté gaz ammonia est sorti après qu'il a découvert dans le système d'essage qui plusieurs accompagnés des amirantes pour la paix en ville y connecté avec c'était ben Dimon qui travaille dans sa amirante qui rapporte ça l'incident avec l'agence Tindifé avec sauvetage hier soir. L'agence service Tindifé et sauvetage il dit que c'était vers 8h18 hier soir qu'ils ont été alertés comme quoi il y a l'odeur gaz ammonia dans un miroir pour la piste en ville. Porte-parole de l'agence, Jones Madeleine, il dit que de suite, comme ils ont gagné sa alerte, ils commencent une enquête pour qu'on sache sa gaz ammonia qui est sapé. Ammonia est trouvé dans le sewage system. Et le sewage system est trouvé dans le port, il y a des trois endroits dans le port. Et bien l'endroit qui sert ammonia dans le port, nous avons IOT, nous avons Ocean Fisheries, nous avons Sea Harvest, il s'attroit la compagnie qui servit en ammonia en grande quantité. Nous ne pouvons pas détailler exactement lesquels qui quatre faults. Mais si nous faisons une investigation, nous voyons qu'il s'est trouvé dans le système sewage. Il dit que bon matin, les officiers de RDM et PUC passent par toute la station de SAS en ville pour rôder côté salaudaire et sortir. Le travail que nous avons décidé pour faire, par exemple, il dit que PUC pour remplir le sewage, bonne substation, côté IoT, côté amusement et ça y est, côté Chana. Mais après, nous avons trouvé que c'était pas fait, c'était pour les grandes dépenses, mais nous avons décidé que la pompe ça y est, côté Ocean Fisheries même, de compound, qui retire tout ça de l'eau, qui là, et zété, et rempli, obviously, qui sont à niveau amusant, bien sûr, et pour finir, gagner dissolve de ça de l'eau qui là. Là, ça l'est là, mon cas, dit tout quelque chose, ok, il n'y a pas contrôlé. Actuellement, là, après que tout le monde a fait, nous n'avons aucune la trace ni l'odeur qui en existe là. M. Madeleine dit qu'il m'a dit bon matin, nous sommes pour rencontrer avec IoT, Ocean Fisheries, Sea Harvest, sa trois la compagnie qui servent de gaz ammonia pour éclaircir quoi qu'il arrive. Du fait, il a complètement détruit la case Amitié Pralin aujourd'hui après 1h30 grand matin. C'est la case qui est construite partiellement en tôle avec bloc. Des frais qui sont restés dans la case, mais personne n'a pas dit mal de du fait. L'enquête a commencé pour établir la cause de ça du fait. Vol contre touriste, tapas fort, vendeur qui n'a pas la licence et bon problème qui propriétaire bon l'établissement touristique dans la région Nomaï peut faire face avec. Les optimistes, ça bon problème à l'attention la police qui est responsable pour la région Nord pendant une rencontre qui s'est fait récemment. Ça est deuxièmement rencontre, pareil que la police s'est fait avec bon propriétaire d'établissement touristique pour une autre solution pour protéger touristes contre bon acte criminel et voler. I'm talking about these guys who are selling coconuts for 400 rupees with a little flower on top. And they get aggressive. They're trying to push excursions which are not licensed. And the tourists are scared. So what are your plans to prevent this from happening? Ça tient pe bonne consigne qui peut affecter le propriétaire de l'établissement touristique de région Nord. Voler contacts aux clients, manquement la lumière dans autres districts, dix monde qui dérange bon client avec de la musique forte de transport, de voisinage, transport qui dit monde y par le lance et le trottoir, bon voler produit de bon lance pour vallon qui n'a pas une licence et prépare manger dans l'endroit qui pas hygiénique, y bon cisé qui peut tracasse beaucoup bon dix monde qui de sa business. Présent, c'est environ 20 participants, sorti depuis Belom jusqu'à Ancitroile.
touristique qui peut aller, peut aller, disons, peut aller manger, peut aller attaquer avec bon volet, le semé, vol de l'argent, tout ça, etc. Et puis nous même on a laissé là qui volait, vient le nous propriété, casse l'ensemble, vol client de l'ensemble. Et même si nous fait garde qu'on est, nous avons attrapé. Notre chaîne de l'État nous besoin faire sécurité nous pour plaquer nous mêmes, taille derrière voler nous mêmes. Mais il est arrivé là qu'ils ont une sens un peu le côté autres bon staff là qu'ils ont pu commencer moi quoi pour se mettre un peu plus patrouille dans la région pour faire un peu plus l'ouvrage. Mais ça peut-être y va couvrir un peu bon problème qui peut passer. Si rentre dans Jacques Valentin qui est responsable pour région Nord, il dit qu'il y a certains problèmes qu'ils sont capables d'adresser de suite, mais par contre, il y en a qui peuvent prendre plus de temps. Par exemple, vous pouvez mettre plus de patrouilles de Bourlance quand il fait base à la Brune Beauvallon. Bonne participant se peut demander qui la police est capable de faire pour aider contre les bonnes vendeurs qui vendent bonnes produits de Bourlance sans une licence. Nous complètons ce qui est bon, si nous venons là, ils viennent vendre d'autres bananes, et si tout bon, il y a autant de bananes, félicitées, mangues. Ça, il y a un problème. Et le problème, à cause du verre, c'est que tout quelque chose qui produit local, ou pas besoin de licence. Alors, les autres pensent que ça s'y met pour passer, pour entrer en dedans, pour arriver là avec d'autres produits qui n'a pas besoin de payer licence. Mais c'est moi, mon quoi, pour dire l'autorité, qui est capable sous les aides de la police. À part qui licence, donne d'autres un permis. Comme si pour transporter ça quelque chose, soit pour une display quelque chose, devrait être un permis. Et nous, la police, nous avons collecté, contrôlé le permis. Directeur gestion risque. Côté département tourisme, Mme Philomena Oulanda, il dit qu'ils ont pu organiser sa bonne rencontre pour que l'établissement touristique y a travaillé plus proche avec la police pour bien être bon visiteur qui vient ici et pour protéger l'image Cécile. Word of mouth, il y a quelque chose qui est très powerful, pareil nous dit en anglais, il y a la force. Et dit monde qui vient Cécile, qui a dans l'expérience Cécile, il peut appeler bien expliquer l'autre dit monde qui pas encore vient Cécile, qui maille Cécile était, qui l'expérience il y a dans l'été vient Cécile. Alors ça est pour aider continuellement faire la quantité de touristes qui nous gagnent augmenter. Sinon si nous continuons pas élever ça niveau safety and security, il y a un risque qui la quantité de touristes réduit. Oui. Prochaine rencontre pour faire le 6 avril pour Sid Maé en Royal. Plusieurs dimon sorti dans plusieurs agences in complice la façon pour empêcher corruption encourage bonne gouvernance et la transparence et expert international indépendant dans sa bonne domaine tissé celle récemment et il fait plusieurs séries causeries avec sa bonne officier causerie qui organisé par Transparency Initiative Seychelles comment pas imposer des ans que l'Union européenne peut financer pour aider améliorer bonne gouvernance et rendre compte d'un pays. Madame Malika Haïté Mohamed Parent, expert international indépendant dans anticorruption, l'État fait une présentation dans la salle conférence Palais de justice. Une rencontre qui est ouverte pour public, mais qui malheureusement n'a pas gagné beaucoup de monde. Il est ici, sous l'invitation Transparency Initiative Seychelles, de cas d'imposer des ans que l'Union européenne peut financer 300 000 euros pour améliorer la bonne gouvernance, la transparence et qu'il y rende compte ici, Cécile. Avant ça, il rencontre les officiers d'un ministère qui est responsable pour la terre, commission Reveni, bureau registrat général et bureau attorney général. We went through their different portfolio to discuss corruption trends, bribery practice, corruption schemes and to find out to understand what are the mechanics of corruption schemes and what are the preventive actions that they can take in their different contexts. Pendant sa bonne rencontre, parmi les bonnes conseils qui t'y levait, t'y protection pour des gens qui dévoilent l'information, le bon cas corruption, la quotidie, la loi devrait faire provision pour ça. Est-ce qu'ils officiers de bon bureau gouvernement devraient accepter cadeau pour l'ouvrage qu'ils ont fait et qu'ils ont gagné payé pour faire? La réponse est non. Et il y a aussi en question l'opposition CCL, l'index international, la perception corruption, qui a publié récemment 36e parmi 180 pays, et assez bon position qui dit beaucoup pas ou les croire, prenant compte de quelque chose qu'ils ont pour faire avec corruption qu'ils ont connaît ou bien qu'ils ont pétendé. The fact that there is freedom of speech in the country, the fact that there is the new Anti-Corruption Act 2016. The United Nations Convention Against Corruption has been adopted in 2003, and Seychelles is party to that convention since many years. So there are a number of signals in the country which
which are positive signals which make the country ranked at the 36th position. Et un autre bon si, y création commission contre corruption qui chairman Transparency Initiative Seychelles, Imse Christol Chetty, y dit, peut faire son mieux malgré certaines contraintes qui en ont. On n'a pas sa capacité d'investigation qui peut-être devrait être en an, on n'a pas sa capacité là, sans sa ressource. Juste pour amener une investigation internationale ici qui en a des années d'expérience, il coûte une quantité d'argent. Et ça a un petit peu ben l'empêchement, mon croix, qu'ils ont en an, mais seulement mon croix, sa petit goût qui là, je peux essayer de mieux. Là, quand nous arrivons, nous sommes contents que de plus en plus, les démons ils suivent un petit peu ça l'esprit qui est président Foreign vient avec. Il y a plein de démons qui viennent avec. Nous avons besoin en transparence, nous avons besoin de rendre compte, nous avons besoin en bonne gouvernance. Étudiant International School, il montre son talent artistique dans un spectacle qu'ils ont fait sa semaine, côté son conférence internationale. Ils ont fait sa spectacle tous les ans à la fin deuxième trimestre scolaire. A little party tient la danse hip hop qui s'agroupe étudiants l'âge 9 à 12 ans qui peut danser. Tandis que Alicia y sent son son Writings on the Wall, accompagné par Stefiana et Donnell qui est ancien étudiant à l'école, Zodouti dansé. L'école internationale y organise sa qualité performance tous les la fin mars qui marque la fin deuxième trimestre. I was very pleased with the show tonight. They all worked fantastically hard. They were committed to rehearsals. It was something that was ongoing throughout the year. And some have been coming every week to do club and acting and singing and dancing in their own spare time. So they really are committed and dedicated to the arts. Son Imagine, chanté par John Lennon, est interprété par étudiants 11 à 12 ans. Year 6 students actually used American Sign Language to sign the song. So our focus was communication, and we were looking at ways of signing, ways of communicating with our facial expressions, ways of communicating with our voice and our movement. Everyone contributed today in that we all put in our hardest efforts and the outcome was pretty good. Tout le monde fait bien. Mon patch perspective fait bien. L'école internationale y donne rendez-vous pour l'autre spectacle annuel, même les temps, l'année prochaine. Et sa reportage, le spectacle, l'école internationale, y amène nous à la fin du bulletin. Je vous remercie beaucoup pour suivre.